Bonjour, je suis Mario, je suis maître artisan en pâte fraîche et aujourd'hui on vous montrera qu'est-ce qu'on peut faire à la maison, tout simplement avec cette machine. Vous allez la recevoir dans sa boîte comme ça, avec ça on l'accroche à la table et pour faire la feuille de pâte, pour faire les raviolis, pour faire les lasagnes, pour faire les tortellini. Et vous verrez, avec ça, vous pouvez faire les tagliatelle et les spaghetti. C'est simple, vous les glissez sur la machine. Et avec ça, vous tournez soit la pâte pour la rendre à votre souhait plus fine ou plus épaisse dans les rouleaux, et après, pour faire les tagliatelle ou spaghetti à la guitare. Je vous raconte une petite histoire sur les spaghetti. Ces spaghetti, c'est extraordinaire. Ça s'appelle spaghetti alla guitarra parce que ils sont carrés et vous verrez que ça donne toute une autre ambiance. Surtout parce qu'on va faire des pâtes fraîches à l'œuf. On utilisera des œufs frais et vous verrez, on utilisera de la semoule. Tout ça, ça va rendre la pâte beaucoup plus exceptionnelle. La machine, on a les deux rouleaux. D'emblée, on la met à zéro. C'est très important parce que c'est le plus épais. Après, petit à petit, on la passe deux fois avec un numéro supérieur. Ça veut dire que si on veut la faire assez fine, on peut le faire jusqu'à 7, 8, voire 9. Mais ça, c'est votre souhait. Ça, c'est pour les rouleaux. Par contre, pour faire les tagliatelle et les spaghetti à côté, je vous conseille de le faire à 5 et après vous le passez pour les tagliatelle ou pour les spaghetti à la guitare. Ça va très très bien.